L'image que vous êtes en train de regarder là, c'est le domicile, la maison de son père au village. Plus précisément, en Tchad. Il dit que si le papier, il dit à ta mère que. Écoutez. Coucou tout le monde. C'est milliardaire. Moi, c'est Josiane, je viens à Marseille. Et je suis au Cameroun depuis quelques semaines. Je viens profiter. Là, je suis au Cameroun, je viens dans mon village natal qui est dans le département de la Maine-Noire, dans la ville de Tchang, précisément le village photo et dans le quartier de la maison. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon village, la ville et tout. Mais là, présentement, nous sommes chez mes parents. Ici, nous sommes à tout la maison. Je passe là rapidement. Ici, on a passé la majorité de nos congés de nos grandes vacances quand on était petits. On venait ici avec la famille, toute la famille venait, les cousins aussi, donc ça a toujours été un endroit très chaleureux. Et les parents ont construit ici, je crois, en 1982. Ils ont commencé à construire ici en 1982. Donc nous, en grandissant, c'était un peu comme notre deuxième maison. En essayant de l'entrée du portail, ici était prévu pour que si quelqu'un saute, on ne le voit pas là. On entre, on va commencer à se présenter l'intérieur. Wow. Et ici, quand on était tout petit, il y avait plein d'arbres là, de goyavier, de prunier, d'enclos pour les porcs, de porcherie, quelques porcs. Maintenant, il n'y a plus ça. Ici, mon père avait construit ça à l'époque parce que je crois que ma mère voulait faire un commerce là, c'est là que je suis. Oui, mais ça sert de chambre voilà, quand il y a des. La boutique de la mer. Sur la gauche là. C'est le mausolée qu'il a fait il y a peut-être un an, je pense. Et tout, je pense pas. Ça, c'est au village. Ah, oui. Ah, maman. La façade principale de la maison se présente comme ça. Voilà. Et tout à gauche, on a le mausolée que mon père a fait à l'honneur de ma maman et de sa maman. Et au milieu, on a la maison de mon père. Et totalement sur la droite, on a la maison de ma maman. Donc, je propose qu'on commence d'abord par la maison de mon père. Ça va, ça va. Il dit ça que c'est toi qui es. Je veux quitter l'Allemagne pour entrer vivre au Cameroun. Eh, vraiment. Hey, comme souvent des pauvres. Si son père a fait au village, imaginez ce qu'il a fait. En ville, ou bien c'est à Douala ou à Yaoundé ou bien dans quelle autre ville du Cameroun. Ici, on va faire un mini salon. Un tout petit salon. Voilà. Donc, l'agent Kambapo. Qu'est-ce qu'il y a pour l'agent Kambapo? Là juste en face on a un appartement un studio. Ici à droite on a une chambre, c'est là où on dort. Ici le studio en face, bon c'est beaucoup plus mon frère et sa femme qui sont les maîtres des lieux ici. Voilà, il y a une chambre, il y a une douche et il y a une petite cuisine, voilà ma belle-sœur. Et voilà mon frère. Donc voilà. Et juste ici, la porte juste à droite. Juste à gauche, pardon, c'est une chambre, c'est la chambre de mon frère. Elle est fermée à clé et en face, c'est les toilettes. Il y a des toilettes. Et de ce côté, c'est la chambre à mon père. Il y a des toilettes internes. J'aime bien le design du staff aussi. Regardez la maison au village. Au village. En question, elle est décédée en 2011 avec ma femme. Mon père qui a pensé ça il y a un an. Il voulait un cadeau assez beau. Ou ses femmes chéries posent. Ici, la cuisine. Voilà la fenêtre de la cuisine de ma grand-mère. Et ici, il a créé
un système de crâne modèle avec au lieu de mettre des crânes dans les cailles, il va se faire une scène de douze ans. Il met des bouteilles de jus de bière. Voilà. Ça c'est avantage, ça c'est inconvénient. Ici aussi on ferme parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans la maison. On va les salir. On ferme. On a la cuisine. Tu vois, ok, les anciennes cuisines. Paillasse. Il y a ta copain là. Donc ici derrière la cuisine, on a encore les escaliers. Quand vous même vous regardez la maison, c'est sur quelle superficie les gars? C'est même pas sur 5000 mètres. Il n'y a que deux. Oh, petit lapin. Personne ne séjourne depuis son décès. Mais on mange ici. Les gars. Quand les riches sont morts des pauvres. La fille des milliardaires. Les gars, fréquentez. L'école est bien. C'est tout ce qu'il peut nous dire. L'école est bien. Et inscrivez surtout vos enfants dans des grandes écoles comme ICT. Vous voyez les deux ingénieurs en Allemagne. C'est parce qu'ils ont beaucoup fréquenté. Chers parents, l'avenir de vos enfants se repose sur leur éducation. Et sur ce, il ne suffit pas de les envoyer à l'école, mais dans quelle école? Donc je vous conseille ICT University, la meilleure école actuellement. Il n'y a pas son concurrent au Cameroun. Je vous le conseille. Et suivez mon regard. Vous rêvez d'une carrière dans les affaires ou la technologie? Commencez votre parcours académique vers une licence, master ou un doctorat à ICT University. Postulez pour les prochains semestres d'été et d'automne. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ictuniversity.edu.cm ou appelez le 682 38 85 72. Faites le premier pas vers une éducation exceptionnelle et un avenir aux possibilités infinies dans la meilleure université numérique d'Afrique centrale.